Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Saints Row. C'est parti, recrutement agressif, c'est l'heure de recruter pour notre startup, ça me... C'est en train de... Eh, j'ai pris un jour de pause, j'ai bien dormi, tout va bien, je suis humble, j'ai pris une bonne douche. Je lance le jeu, je vois le mot startup, ça y est, déjà ça me hérisse les poils, ça va pas là. C'est quoi ce gang de hipsters de merde? Putain. Ah, tout de suite ça te remet dans le bain, c'est un truc de ouf. Alors, parle à Ellie. Elle est où la petite Ellie là? Attends, il n'y a pas d'escalier? Tac tac tac, c'est pas là. Ah, super, je suis perdu dans ma propre maison, c'est bien ça. Bah, en fait, je me souviens que j'étais tombé ici la première fois qu'on était rentré à l'église et justement je pensais que j'avais fait un fail. Et je regardais un peu autour de moi s'il y a des escaliers. Attends, je crois... Ah, je crois savoir où ils sont. Attends. Voilà, ils sont là. Bien cachés, voilà, comme il faut. Parfait. So, how do we staff up? Easy. I've got a 14-step plan. That sounds about 13 steps too long. Yeah. Why not just go to Boot Hill and show everyone what a badass you are? What's Boot Hill? Are you kidding me? Check out the laptop. Ok. Okay, Boot Hill is this live-stream fight club kind of thing they do on the abandoned island out in the lake. This sick cat named Doc Ketchum runs the show. Fight club? More like murder circus. We need to recruit more saints, right? Everyone in town with a criminal record watches this live stream. Oh, he's right. I've seen Pantero streaming it. I just didn't know what it was called. But it's crazy dangerous. It's viral marketing. Viral marketing is not supposed to come with a mortality rate! It's like breaking out in the art world. You gotta do something to capture people's attention. This does. Plus, it nails our target demographic. I don't know. You're the one who have to do this. What do you think? Y'all had me at murder hein? circus. You sure? We cannot afford to lose you. C'était bizarre. La vidéo, elle a bugué. Et le gars qui nous parlait derrière, il s'est arrêté de parler en même temps, genre comme si c'était lui la vidéo, alors que pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rends-toi au doc. Ils sont vraiment juste à côté les docks? Attends, tu veux dire que depuis le début, il y a une sorte de jeu mortel qui se joue à 100 mètres de la maison là? Attends, est-ce que j'ai pas... Non, il n'y a pas de caisse là devant... devant l'église? Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais non, du coup, c'est pas ça. C'est quoi? C'est le mec qui va m'emmener. Il va m'emmener là-bas en bateau. Bon, par contre, je pense qu'on est sur une référence à Pokémon. Genre là, c'est une mission de recrutement. Le mec qui tient le sort de jeu mortel, il s'appelle Ketchum. Ah oui, pour ceux qui savent pas, du coup, le personnage. Enfin, vous savez, le héros là de l'animé Pokémon. En anglais, il s'appelle Ash Ketchum. Voilà. Je sais pas comment il l'appelle en français, je sais que c'est Sacha. Mais il n'a pas de nom de famille, c'est Sacha du Bourg-Palette. Voilà. C'est vraiment genre le gars, il a le nom de sa ville, pourquoi pas. Après, si ça peut l'éviter de s'appeler Ketchum. Ouais, en gros, c'est un mode battle royale solo quoi. Pour résumer. Et c'est un peu le problème avec ces jeux-là, c'est que vraiment j'ai l'impression que c'est des sortes de successions de mini-jeux. Et quand c'est pas ça, la quête principale, c'est vraiment tu vas à un point A, point B, tu tues des gens, t'interagis avec des trucs, t'appuies sur une touche quand t'es devant. Bon, c'est vraiment... Ça manque de folie quoi. On est sur un jeu qui s'appelle Saints Row hein, en plus, je le rappelle.
bah du coup on va dégommer tout le monde comme ça hein. Ok. Est-ce qu'il y a écrit combien il reste d'ennemis ou pas sur la map? Ça peut être pas mal. Non, c'est juste survie à Boot Hill. Combien il y a d'ennemis, ça, c'est un mystère. Ok. Ah non, mais c'est juste full scripté en fait. D'accord. C'est quoi ça? C'est des zombies? Bon, faudrait peut-être que je ramasse un gun hein, au bout d'un moment. Je peux pas leur taper leurs armes? Non, on peut pas. Hein. Il faut que je trouve les sortes de cercueils. C'est con, il y en avait un sur la map d'avant là. Attends, peut-être que celui-là il est bien. Fusil à pompe? Ouais, ça peut le faire. Oh, il est bien ce pompe. Il est old school, simple, efficace, j'aime bien. Allez, dégage. En fait, au départ, je pensais vraiment que ça allait être un mini-jeu comme le jeu télévisé, tu vois, dans Saints Row 3, qui est en fait un truc de mission secondaire, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, je vois pas comment ça pourrait l'être, parce que là, la map, elle est vraiment ultra couloir, tu peux pas faire plus scripté que ça. Hein. Mais il y a les mecs en hot dog hein. Je pense que c'est clairement une ref au jeu télévisé par contre. Ouais, il me faut une autre arme là, ils sont trop nombreux pour les faire au fusil à pompe l'un après l'autre, c'est pas possible. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah non mais c'est juste un gros fusil à pompe ça. Attends, comment ça marche? Oh, wow, l'arme relou. Je vais vous changer d'arme, tu sais, pour pouvoir tuer les ennemis encore plus rapidement. Wesh, c'est quoi ça? T'es fou, mec. On va te calmer, hein. Non, mais si je le rate, par contre. Tu mets... Oh là là, tu mets une heure à tirer. Et tu peux rater le type comme ça. Enfin, le mec a juste à faire un petit pas de côté, tout va bien, genre. Ouais, je suppose qu'il y a un truc qui va s'ouvrir ici par miracle une fois qu'on a tué tous les ennemis. Toi, hop là, ça dégage. Ne bouge pas, mec. Voilà, parfait. C'était complètement sur lui, hein, mais c'est pas grave. Et là, c'est une traite. C'est une traite. C'est encore un pompe. C'est quoi cette arme là? Non mais à chaque fois que je récupère une nouvelle arme, c'est un truc encore plus long et chiant à charger, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça me sert d'avoir un putain de rayon de la mort qui prend 10 secondes à se charger quand le putain de pompe de base il suffisait à one shot tout le monde? Non mais c'est pas possible. Oh là, de merde genre. Il me faut un autre truc là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc? Ça brille beaucoup trop pour servir à rien. Oh non, pas le feu. C'est la pire arme. Tu sais, c'est la seule arme un petit peu genre SF marrante, on va dire, depuis le début.
C'est de la merde. Regarde-moi ça. Le gun de base c'est plus pratique. Non mais attends, heureusement que j'ai gardé les autres armes. Par contre je vais reprendre l'autre pompe. Ah mais j'ai... Oh j'ai deux balles. Ouais ça va être compliqué ça. Bon ça forcément je peux m'en servir. Non j'arrive pas à aller. Ah si. Ah ça marche pas. Bon tant pis hein. Voilà, c'est plus simple. C'est quoi, on va prendre le marteau en fait. J'ai des fusils de merde là, c'est terrible. Ah là, c'est mieux comme ça. Par contre, ils ont vraiment remplacé le dildo géant par un vieux marteau genre Disneyland, tu sais. Et là, c'est juste un gros marteau de chantier. Non mais, les gars, franchement... quitte à plus vouloir être vulgaire, je sais pas, mais faites un effort, quoi. Au moins, non, je sais pas. C'est si peu fou ce qui se passe dans votre tête pour me proposer des armes de merde comme ça. Ah, parce qu'en plus, tu sais, on est dans une sorte de jeu de la mort et tout. Les mecs, ils te filent des armes. Tu commences par un petit marteau rigolo en plastique. Tu te dis, ça va évoluer à partir de là. Non, non. C'est banal, as fuck, genre. Comment je sors de là? Sors? Ah non, quoi qu'il vaut mieux rester en fait. Mais après je vais avoir un problème, je sais vraiment pas comment sortir de la tourelle. J'ai appuyé genre logique, la même touche que j'ai utilisé pour rentrer, mais ça marche pas. Je suis passé dans ma tourelle là. Attends, mais le problème c'est que je peux pas me mettre à couvert, je vais peut-être clamser hein. This won't get us new recruits. Nothing else. Ah, il a dit que c'était une session de thèse, donc si, c'est peut-être un... C'est bien un truc de mission secondaire, je pense. Qu'on ne fera jamais, bien évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. Après, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi ça s'est arrêté... Ça s'est arrêté net comme ça. Est-ce que c'était vraiment un script? Ou peut-être que je suis mort en fait. Hein. Peut-être que le jeu il s'est fini au moment où je suis mort. J'avais très peu de vie. J'ai peut-être pris une dernière balle, je sais pas. Jesus Christ. So that's what being good at murder means. I know. Seeing it on the leaderboard really puts things in perspective. Should we be scared or reassured? Why not both? Eli, mute your fucking phone. Oh, yeah. C'est les demandes. Holy shit! These just keep coming in. Who are they from? People who are watching. They want to learn from the master. You know what that means. We got recruits? We got recruits. We got recruits! Ok, mission accomplie. Allez, argent XP comme d'hab. Et ça y est, on a... Bah on a un gang, hein, enfin. Bon, moi je serais pas trop assuré dans mon gang. Je veux bien qu'il y ait un peu aussi des... Comment dire? Des gens sains d'esprit dans mon gang, tu vois. Parce qu'on a recruté pour l'instant que des gens qui regardaient
un jeu de tuerie en fait, et qui se sont dit « Oh bah putain, le mec il tue trop bien les gens !» À Londres, son gang. Je pense que tu dors pas sur tes deux oreilles hein, dans l'église. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme mission là? La frontière, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on discute de comment payer l'équipe, alors ne sois pas en retard pour la soirée jeu. Don't forget, it's game night tonight. Oh shit, yeah! It's not my turn to get snacks, is it? After those Marmite-flavored potato chips you brought last time, I don't think we're ever letting you get snacks again. For real though? That food gave me the shits. This rock! Elle est où la soirée jeu là? I don't like it, Eli. Yeah, no doubt. This fucker's hogging all the slots. I'm talking about what we're paying the crew. You mean what we're not paying the crew? Bullets and 401ks are expensive. There's a bunch. Ah, c'est ça le fameux jeu de cartes là qui me faisait penser à Magic, ça n'a rien à voir. Kev can run a bake sale. I'm not sure that's gonna work. Look, man, I know I normally do savory, but I can bake the shit out of some macaron. Meerkat me. Look, if you want insured, salary kill bots, we need to bring in a lot more cash. All right, so what? We rob a bank? No. We rob a train. I don't know where this is going, but it sounds like my kind of stupid. Okay, you know how banks have federal requirements for how much cash they need to keep on hand? No. Well, they do. And since the economy in Santo Ileso has skyrocketed, they have to keep bringing in more money to meet the minimums. And let me guess, they move it in by train. It's really more of a mobile fortress. Oh, good. How do you know so much about this? Sergio talked about wanting to hit it every time it rolled into town. But you guys never made a play for it? We never had enough hardware. Oh my god, I'm so stupid. The forge. That's what they were gearing up for. Oh! So the impossible to rob train is going to be attacked by the Panteros as well. Cool. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. Fucking wallabies. Yes! Okay, so it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top-tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint at Marshall. It'll be a tough sell, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Why? He's being detained in a privately owned prison called the Frontier. You want to break out the Nawali, don't you? Assuming he hasn't been extrajudicially murdered by now, yes. What can go wrong? I mean, I could die. But let's be positive. Vraiment, les sciatiques sont longues et je m'en prends, genre vraiment, c'est fou. Je trouve pas ça du tout marrant de les voir faire de jouer à un jeu de société avec des petits animaux comme ça en carton. I'm gonna stay low to avoid detection. We're gonna have to find a way to do the same. You know, maybe actually be stealthy for once. En fait, ce qu'ils comprennent pas, je pense, c'est que le fait qu'ils jouent à un jeu de société très enfantin comme ça, ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être marrant et ça aurait pu être décalé. Mais si justement il y a un décalage, là on a déjà une sorte de team de gros hipsters, tu les vois totalement jouer à leur soirée jeu. T'as juste enfin, c'est encore plus déprimant quoi, parce que t'es là, t'as envie d'avoir les vrais gangsters à la Saints Row, tu vois. Par contre, sur les gros gangsters ultra sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fail là. Apparemment, je me suis planté. T'aurais les gros gangsters ultra sérieux des autres Saints Row, et tu les vois là jouer à ce petit jeu de merde, il y a un décalage, tu vois. Là, il n'y a aucun décalage. Donc la scène, elle est juste... quasiment, j'ai envie de dire, full inutile en fait. Genre, tu me dis, allez, on va braquer un train. Ça y est quoi, ça règle le problème, hein, t'as pas besoin de me faire perdre du temps avec ça. Attends, par contre, j'ai vraiment du mal avec ce...
C'était au wingsuit là. Ok, on est bon. On the roof. Stay in the air. I'll be out with our new recruit in no time. 10-4. I'm in. Need to remember to stealth. Keep moving, and don't let any guards get a good look at your face. If they do, I'll bluff my way through. I got this. Ah, elle me dit d'avancer furtivement. Est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Ah merde. Comment je fais là? This is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Il leur laisse pas le temps de réfléchir? Voilà, c'est bizarre comme système, mais vas-y, donc je cours comme ça. Et mais il va me repérer trop vite, hein. Je fais ce qu'elle a dit, hein. Elle m'a dit, t'avances, tu leur laisses pas le temps de réfléchir. Ouais, ça a marché, d'accord. New assignment. Don't mind me. Mais lui, il va me repérer? Non, d'accord. Ok, j'ai passé son épaule, ça y est. Ok, I'm gonna make quick contact with the Nawali, then keep going to the control room to disable the lock on his cell. Make it fast. I don't know how long I can hold this position. Can't talk. The brass has me running errands. C'est la mission d'infiltration la plus éclatée de tous les temps. Qu'est-ce qui se passe? Security breach. Je suis repéré. Ça fait échouer tout de suite. Oh putain, je déteste ces missions. Oh là 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 là, vraiment la mission elle consiste à courir dans les couloirs et puis à marcher devant les ennemis. Et en gros là, il faut pas que je reste trop longtemps devant eux quoi. The watch commander's looking for you. Voilà, donc là j'ai passé l'épaule de lui. Alors, en fait, il y en a un qui me repère, mais je comprends pas pourquoi lui me repère, parce qu'il n'est pas tourné dans ma direction en fait, à la base. Bon, je vais faire le tour par les sortes de. Il y avait des sortes de trucs métalliques là-bas, on va voir. We haven't had a shift together in ages. We'll have to catch up after. Voilà. Genre si tu suis pas le chemin qu'ils ont décidé, tu réussis pas quoi. En gros. See? I can so stealth. You know what stealthy people don't do? Squawk about how stealthy they are. Yeah, yeah. VIP cells just down here. Hey, I don't know you. I don't know you either. It's a big company. Hey, wanna get out of here? You put me in here. Career change. Got a job in mind for you. Sit tight. What are you doing in here? Passing through to meet my CO. How are you getting into the control room? I'm gonna walk in like I own the place and press the button. That seriously does not count as stealthing. It does if it works. J'ai rien à dire, c'est vraiment genre les pires missions. C'est, ils auraient dû remplacer ça par une cinématique en fait, plutôt que nous faire courir dans des couloirs en boucle. Whose orders? I give them. Wait a minute. You're the one who got fired because of that museum fiasco. Fuck. Ah, c'était sûr en plus que ça allait finir comme ça. Attends, est-ce qu'il a alerté tout le monde?
Ouais, il a alerté tout le monde. C'est vraiment... toujours comme ça. Tu perds ton temps à pas te faire opérer. Pour qu'au final, ça finisse à se mettre des bastos, quoi. Je te jure, il faut changer ces séquences. En plus, c'est fou parce que c'est une idée de merde. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ça dans tous les jeux, en fait. Vraiment, hein. J'ai l'impression d'avoir fait ça dans une dizaine de jeux. Tu t'invites, nanana, c'est chiant. T'arrives au bout, finalement, bah t'es repéré. Faites que le passage d'infiltration ce soit une cinématique. You go. What makes you think there is a we? If there's not, you'll never know why I risk breaking you out. Very well, lead on. Il n'a pas réagi, c'était évident qu'il allait se débarrasser de tout le monde tout seul. You mean shoot your way out. I mean shoot my way out. Locked. So we kill all the guards in this room. We'll have to open the door to send reinforcements. Good call. And here I thought I was following you. Get down! Là en plus tout ça pour nous faire refaire la map dans le sens inverse. Ah non merci. Nina, sure could use that pickup now. No can do. Started a prison riot. The whole place is lit up like a Christmas tree. I can't get anywhere close. Okay, change of plans. Down instead of up. We'll steal a car. Careless, but opportunistic. Interesting. Attends, mais c'est Marshall ? Alors, c'est une sorte de boss qui est bien un peu pareil.
Watch it! Much for going out the front. Shit. Nina, you got eyes on an escape route? Can't see anything. They're chasing me out of the airspace. Ah, so you only planned half a rescue. There. We're out of the prison. Heureusement que les sauts sont scriptés, hein, parce que j'avais clairement pas à cette vitesse. Which is taking us back to the prison, shit. No, we can drive across the roof. My plan exactly? J'ai un problème, mon véhicule, il penche vers la gauche tout seul. C'est quoi, j'ai une roue en moins? Qu'est-ce qui se passe là? Même pas, hein. Ouais, il tourne tout seul, regardez. Je fais rien là, il va à gauche le véhicule. Je me disais putain, mais je sais pas conduire ou quoi. Et en fait, non, il y avait vraiment un problème. J'espère que c'est pas ma manette, hein. Attends, ça va se vérifier de toute façon. Thanks for stopping. Figured you could use a good meal. Okay. Good's a little generous. All right, it's a lot generous. But I'm willing to bet it's better than what they serve you in the frontier. I appreciate it. And my freedom. Even if you're the one who put me there. Oh, shit. Is this gonna be a problem? I know what it feels like to be judged for following orders. Sounds like a hell of a story. It is. You wanna tell me? We're not friends. We could be. I should go. Need a ride? No, no. It will be nice to walk. But thank you for offering. Call me when you're ready to talk about the job. Ok. Bon, on s'est fait un nouvel allié assez puissant. Et là, je veux juste savoir si ma manette elle est pétée ou pas, ou alors si la voiture avait vraiment un problème. Et c'est la caisse qui avait un problème. Heureusement. Heureusement parce que j'ai plus que cette manette, j'aurais été dans une merde noire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Je sais pas c'est quoi ça, mets-toi au défi. Termine des défis pour gagner des atouts et améliorer tes capacités. Ah, c'est pour m'inciter à faire du secondaire en gros. Mais j'ai plein de quêtes principales, hein, à faire encore. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le choix entre 6 quêtes. Ok. Attends, atout, j'ai un nouvel atout, on dirait. Non, pourquoi ils m'ont mis... Termine un défi pour débloquer sous le radar. Ah, c'est pour ça qu'ils m'incitent à faire le défi. Ok. Bon bah du coup les amis, on va se laisser là pour cet épisode Cicero. On va juste attendre que Ina finisse de nous parler. Are you sure? Cuz from what I hear, they have orders to shoot you on sight. C'est bon? OK, super. Merci à tous, on se retrouve très vite. Ciao.